Bonsoir. Alors, du coup, c'est juste un mini quiz. Enfin, il y a deux situations. Le but, c'est de voir s'il y a des copies ou si on arrive à ouvrir des éléments. Donc voilà, c'est parti. Donc là, par exemple, j'ai un petit exemple de code. Le but, c'est simplement, donc on a data, c'est un gros objet, et quand on a des listes et qu'on a pas besoin de les copier, généralement, on veut juste les move. Donc, on va consommer un vecteur de data. Et selon un prédicat donné, on veut juste retourner certaines data parmi celles qui ont été consommées. Et donc, voilà, ma question, ce serait, est-ce qu'il y a des objets de type data qui sont copiés ou alors est-ce qu'ils sont tous move? Et s'il y en a qui sont combiés, combien et pourquoi? Voilà, petit test. Ah, tu peux poser des questions et tu peux répondre aussi. Ok. Moi, du coup. Ok. Ouais. Qu'est-ce qui pointe ça? Il y a assez peu de chances que tu ressortes avec moins de données que ce que tu as fourni en entrée. Ouais. Donc, lots of data, ça peut être réutilisé. Donc, tu peux juste le passer par référence. Et comme ça, tu retourneras un void. De data. Quand tu filtres, tu as toujours le même nombre de données en sortie. Sinon, tu n'as pas filtré. Oui, enfin, il y en a moins voilà, au mieux. Tu peux ouais. Déjà te passer STD vector data, tu peux déjà te passer par référence puisque tu vas le réutiliser. Donc, ça t'évitera de faire des copies. Après, là, le but, c'était pour les copies de data. Normalement, retourner un nouveau vecteur de data, si les éléments sont move dedans, ça ne fait pas de copie de data. Mais effectivement, on copie le vecteur lui-même. Enfin. Tu recrées un truc, tu rentres un vecteur de data et tu ressors un vecteur de data. Donc, à un moment, tu peux le réutiliser. Non, tu peux très bien appeler vecteur data avec un vecteur qui sort d'une fonction qui renvoie un vecteur temporaire, ouais. D'où le vecteur data ouais, refresh. Tu veux créer un vecteur temporaire alors que. Non, mais tu le crées de toute façon, tu as une interface. Non, parce que c'est une erreur justement. Quand non. Tu filtres, tu n'as pas créé de truc. Tu filtres en général. Ah non, mais c'est là que tu peux. Ce que je dis, c'est que tu peux filtrer un vecteur de data qui vient d'autre part. Et la question, c'est qu'est-ce qui se passe dans le copier ou est-ce qu'on move? Parce que dans ta chaîne de filtrage, tu auras tendance à recréer à chaque fois des vecteurs, ça ne sert à rien. Tu prends ton bloc de départ, tu le filtres, tu le donnes à l'arbre. Tu fais une place. 9 fois sur 10, on fait comme ça. Voilà, on vient sur la vie discussion, désolé. Disons là, là, on veut. Là, le sketch, c'est qu'est-ce qui se passe dans le. Là, disons que les objets sont assez petits, c'est vraiment juste data qu'on ne veut pas copier. Donc même s'il y a un vecteur qui est réalloué, disons que c'est pas le. On a fait 2F, non? Si F prend un data par value, par valeur, on ouais. Te copie quoi, sinon tu mets en référence, ça se passe. On peut partir du principe que ça ne prend pas par valeur, mais effectivement, ouais. Mais du coup, c'est un bon point. Ouais. Ça dépend alors. Ça va copier? Non. Ça va copier tout le temps? Non, parce que pour moi, quel serveur en gros, il fait pushback. Il fait pushback avec un truc qui va très certainement être un retour de la fonction. Tu vas pushback le truc qui sort du étoile begin. Disons que déjà, est-ce que ça retourne ce qu'on veut? J'en suis même pas sûr. Non, parce qu'on fait un move itérateur, donc on passe l'itérateur move au prédicat. Ah oui, ouais. Ce qui fait qu'ensuite, je ne suis même pas sûr qu'on puisse copier comme il faut l'objet. Non, le prédicat reçoit le déréférencement du move itérateur. Ouais, justement, le prédicat, oui. Le prédicat, il se prend le truc. Donc il reçoit le dans il reçoit ton le vecteur, move, après tu copies. Tu copies. Il dit qu'il fait ça. Okay. Donc. donc c'est chaud en fait. Personne ne sait. Voilà. Ok. Ah, vous avez raison. C'est difficile. Donc. Ouais. Je serais toi sur charge avec une version de compilateur. Ça m'intéresse. Savoir, je crois qu'il y a un truc sous clang TD, je crois que c'est ce qui approche le plus de savoir que quand on veut faire un move, que l'objet soit vraiment move et pas copié. Pour moi, c'est ce qui rapproche le plus de ça, mais c'est que c'est difficile des fois. L'opérateur.
tu ne veux même pas être sûr. Ça marche, oui. Comment tu as fait pour savoir bah, simplement sous, sous un compilateur en ligne. Ouais. Pour savoir le nombre de copies, c'est simplement avec quelque chose style OneBox. Je réécris le code et je le fais tourner. Ouais, alors, donc, est-ce qu'il y a des outils de data? Ben non, tout se passe bien. Sauf. Sauf MSVC. Et en fait, la question, c'est sans doute de savoir pourquoi. Parce qu'en fait, si on revient. Ben en fait, tout se passe bien. C'est-à-dire, je dirais, en principe, il ne faudrait pas perdre confiance dans le code, parce qu'effectivement, move iterator, c'est-à-dire que l'objet qui est déréférencé, quand on va le forward, ça va toujours move l'objet. Donc en fait, le back inserteur, il va bien move les objets dans data. Le vrai problème ici, c'est le fait que studList, il ne soit pas noExcept en move, et que, et que du coup, studVector, bah, il copie ces éléments au lieu de les move s'ils ne sont pas noExcept, parce que sinon, il n'a pas les garanties vis-à-vis des exceptions. Le move de list n'est pas noExcept. De studList. Oui, oui. Comme tous les conteneurs à base de deux. Donc, Clang et GCC l'implémentent NoExcept, mais pas MSVC, qu'ils ont le droit du coup, parce que bah, c'est dans CPPRF qu'il n'y a pas NoExcept. Voilà. Et du coup, voilà. Alors après, un petit bonus que moi j'aime bien utiliser, c'est simplement un move qui fait des asserts. Que c'est assez rare qu'on ait des objets qui ne soient pas NoExcept sur les moves. Et quand on écrit move d'un objet const, ça ne marche pas. Donc, c'est bien de vérifier compile time. Ça, c'est une petite slide bonus. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec. C'est plus une proposition que. Voilà. Et du coup, si on regarde un peu tous les conteneurs qu'il y a dans la STD, bah, tous ceux qui sont verts ici, par exemple, c'est ceux qui sont toujours move no accept. Et donc, c'est-à-dire que tout le reste, donc, même des trucs style studDQ, studStack, studQ, bah, c'est des trucs qui peuvent trop, en fait. Sur un move potentiellement, donc ça arrive pas forcément, mais du coup ça peut trigger des copies en plus, donc typiquement avec studVector. Donc c'est pas mal à garder en tête parce que les copies bah, ça arrive très vite par défaut en C++. Voilà. Bah, l'emblème de GCC Clang, je l'ai pas standard sur liste vu qu'il y a écrit dans standard. Si t'as rien marqué, ça veut juste dire que t'as pas de garantie, mais il y a rien qui empêche de l'implémenter en mettant une. Un implémentant a le droit de rajouter NoExcept sur toutes les fonctions. Voilà. Mais tu n'as pas le droit de l'enlever. Là, voilà, s'il est spécifié, il n'a pas le droit de l'enlever, mais il a le droit d'en ajouter si on a envie. Maintenant, la question que je vous pose, c'est pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas ajouté? Est-ce que c'est parce qu'il y a une vraie raison de ne pas pouvoir l'ajouter dans les conteneurs là, ou est-ce que c'est juste qu'ils n'ont pas pris le temps de l'ajouter? Je crois que pour MSVC, ou c'est. Je ne sais pas. En fait. Est-ce que leur implémentation a de bonnes raisons de ne pas être de NoExcept, ou est-ce que c'est juste. Bah, est-ce que ça vient pas du fait qu'ils ont tout leur itérateur de debug à la con et que du coup, j'aurais des cas où ça ne marcherait pas? Non, parce que leurs itérateurs de debug, ça pourrait être que c'est NoExcept en mode debug, en mode release et pas NoExcept en mode debug. C'est d'ailleurs l'intérêt de ne pas spécifier dans le standard NoExcept. Ça compile en debug ou en release? C'était sur les deux de mémoire. Parce que derrière ça, tu peux réallouer de la mémoire. Quand tu alloues de la mémoire, tu as toujours une exception. Oui, mais je vois pas pourquoi il y a besoin de réallouer de la mémoire sur un. Sur liste. Quand tu recrées une liste, tu la grandis. Et donc la move, donc à la limite, tu prends les pointeurs et tu la remets. Ah si, parce que je crois qu'ils implémentent une liste avec des nœuds sentinelles. Ah, ouais. Et que du coup, quand tu veux mouver, tu es obligé de créer de la mémoire pour le nœud sentinelle. Je crois que c'est ça la raison. Ouais, sinon c'est pas stable en mémoire, sinon. Ouais. Voilà. Par contre, on est d'accord que si tu instancies STD stack en lui donnant explicitement que tu veux STD vector à la place de STD boule, tu retombes dans le calvaire. Puisque tu vas utiliser STD vector en sous-main à la place de boule. Ouais. C'est vraiment. Ouais, là je donnais. Stack par défaut. Pour stack et queue, c'était celui parce qu'ils prennent le conteneur par défaut. D'accord, c'est ça. Comme pour priority queue ici. Ouais. De toute façon, sur un vecteur, quand tu insères ou tu remove, et le deuxième petit exemple, c'est on veut pas copier Big Thing parce que c'est gros, enfin voilà.
Donc à la place, on veut plutôt le move. Donc. Je prends le dernier standard, donc 17. Bon, ça va, là. Donc 17, il n'y a, a pas de copie. En fait, si. En fait, le problème, c'est que le move implicite, il concerne l'expression du return, mais il ne concerne pas les objets à l'intérieur de l'expression. Donc, il faut... Donc, voilà. Et donc là, ça move, n'est-ce pas? Bah ça, là, ça copie en fait. Ta paire devient. C'est pas error code qui fait un truc chelou. Non, c'est pas que ta paire devient une paire de bitfin refresh au lieu d'être une paire de bitfin et ça n'arrive pas. Le problème, c'est qu'en fait, là qu'on construit la paire. Pas exactement, mais c'est surtout le fait qu'il veut détruire le type de cet objet. Il connaît pas le type de cet objet-là. Du coup, il peut pas prendre les constructeurs template de sous pair. Du coup, il tombe sur le constructeur template de const bigthing ref et const stud error code ref. Comme ça match, il n'en cherche pas d'autres et donc il va copier les deux. Donc là, il faut spécifier le type pour que ça move. Voilà. On est d'accord que sinon tu fais return bigthing de la collab directement dedans et on est bon là. Ou pas? Tu veux dire sans ça? Non. Tu mets la collab mais tu fais bigthing de la collab à la place de laisser des moves. Tu fais juste la collab. Ah oui. Oui, ça marchera quand même pas, parce qu'il connaît toujours pas le type de cet objet-là, en fait. Voilà. Enfin, des deux, du coup. Ouais. Si tu mets ça copierait aussi. Il faudrait juste que tu fasses un truc vide. Faudrait que tu fasses rien du tout. D'accord que dans la pratique, ça sera optimisé. Bah du coup, non. Non, c'est copié. Parce que justement, il peut pas dire lui-même que ça move, donc il copie. Enfin, il est sécurisé. Enfin, voilà. La copie, c'est toujours. Donc c'est move valide. C'est ce qui se passe tout en O3. Hein. Enfin, c'est tout en release, en optimisé. Voilà. C'est pour ça que c'est. Voilà. Mais il faut le tourner. Il faut le tourner autrement. Ça veut dire que là, en fait, faut pas chercher à faire le malinou. Tu fais return à colladi point virgule et c'est terminé. Oui. Oui, pour ce code-là. Tu fais return machin vide et basta. Oui, pour ce code-là, oui. Oui. Si tu veux mettre des trucs à l'intérieur, tu peux déclarer des variables type paire machin et return cette variable. Voilà. Et là, ça marchera aussi. C'est le fait de vouloir créer la paire à la volée au moment du make return. Make pair, ça marche, mais du coup, ça veut dire que tu ne pourras pas écrire ça dans make pair, parce qu'il faut qu'ils connaissent l'objet passé de toute façon. C'est chiant. Voilà. Voilà. Je crois que c'est tout. Pour initialiser une variable. Voilà.